Depuis 1994, notre pays paye le prix du génocide rwando-rwandais de triste mémoire. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, nous comptons 10 fois plus de morts, de crimes de tous les genres ont été commis dans les seuls objectifs de continuer les processus de pillage systématique de nos ressources. Cette œuvre maléfique continue aujourd'hui à travers des terroristes, des supplétifs, sans aucune idéologie ni projet, si ce n'est le choix d'être l'épouvantail d'un régime cruel, criminel, pilleur et receleur. Devant la résistance héroïque de nos soldats, portée par la détermination du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le Rwanda subit d'énormes et de lourdes pertes, ce qui l'a poussé à accroître ses effectifs jusqu'à 4000. Pour penser pouvoir continuer son aventure sans lendemain sur nos terres. Notre résistance et notre résilience viendront à bout de l'agresseur, quoi qu'il en coûte. Ces mots ne sont pas le mien, ils sont du président de la République et ils ont été prononcés en journée aujourd'hui par la première ministre chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. C'est donc autour de cette détermination que s'effondre notre action. Et ce soir, nous voulons, dans la dynamique que nous avions lancée il y a quelques mois, Bendele Koyate, lancer la campagne Tout pour la patrie. Plus qu'un cri de guerre, c'est un appel au don de soi pour la patrie, un engagement patriotique renouvelé à utiliser toutes les ressources à notre disposition pour combattre individuellement et collectivement avec la dernière énergie cette agression et tous ceux qui s'érigent en ennemis pour le développement de notre pays. Notre armée est le socle de notre victoire, la protectrice de nos frontières et de nos ressources naturelles. Nos soldats sont nos premiers héros qui chaque jour et au péril de leur vie s'engagent, donnent de leur jeunesse, sacrifient leurs familles respectives pour s'assurer que nous dormons en paix. En lançant cette campagne de la défense de la patrie et des veilles patriotiques, nous voulons dire à chaque Congolais, partout où il se trouve, combien son engagement compte dans ce combat collectif et combien nous devons nous unir autour du commandant suprême, au-delà de nos divergences, appartenances et croyances, pour non seulement résister, mais aussi protéger à toute épreuve ce que nous avons de plus cher, notre nation, la République démocratique du Congo. Dans les minutes qui suivent, nous allons vous présenter les premiers spots de notre campagne qui va s'étendre dans tous les pays. Il y aura évidemment une composante médiatique, mais une autre dédiée à la communication hors médias. Ces mélanges vont nous permettre de communiquer de manière optimale, non seulement à travers les canaux traditionnels, mais surtout directement avec nos populations. À ces sujets, je tiens à vous annoncer que pendant la diffusion médiatique de la campagne, nous allons tenir parallèlement et nous commencerons dès demain ici à Kisangani à l'université avec mes collègues ici présentes, la ministre de l'Enseignement supérieur et celle de la Jeunesse et Éveil patriotique, une matinée d'échange pour parler à un échantillon des jeunes de la Tchopo, nous assurer qu'ils comprennent les vrais enjeux du pays et qui s'engagent au même titre que nos militaires et tous ceux qui, partout où ils se trouvent, œuvrent pour la préservation de notre intégrité territoriale, de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Pour la paix et la sécurité, chacun de nous est un vaillant soldat dans son secteur de vie.
un véritable patriote, appelé à utiliser l'instrument à sa disposition pour défendre la patrie. Restons donc debout et continuons la défense de notre patrie. Bendele Koyate, pas un seul centimètre n'est pas laissé à quiconque. Et donc, tout pour la patrie. Qu'est-ce qui se passe dans Mboka Congo? Nini ezali koleka na Mboka Congo, particulièrement na Est et RDC. Bana Mboka ba komi kolela komi tungisa. Ah, ba zui sous Mboka boye, ba M23 bazo bunda, alors que tout ça n'a cessé les faits. Qu'est-ce qui se passe? Koto yokuna to komona AFC bako sala bako yambaka bango bako tambolaka nini ezali koleka. Voilà bana mboka Congo ndeko na bino oyo boyebi pe bo pesa kombo ya muloto oyo yaka kaka na ba révélation oyo etali mboka Congo pour que bana mboka ba comprendre information pe nini ekoleka na mboka na bango to yeli susu. Pona ko la kisabana mboka Congo ba yeba nini ekoleka na mboka na bango mbote na bino bisika nyonso bozali. Je vous salue, c'est votre frère mwana mboka ya Congo oyo mipesa devoir pona ko servir Congo en donnant des analyses et des informations et pe pona ko kunola oyo ba bengaka na français la révélation ko révéler bana mboka makambo ekoleka na mboka na bango. Chers congolais, to yambi ba question, to yambi ba inquiétude, ya bana mboka Congo. Balubio to perdre ichacha, to perdre mboka boye, to boni ba M23 ba place boye. O monite kezali distraction, oyo communauté internationale akotchaka liboso na biso. Na moment oyo, balubi na biso tozali na cesser les faits ou trêve. Mais ndengeni ni lelo oyo, to komi komona lisusu. Oyo to bengi ba M23 ba ko kota ka gauche droite ba ko salaka boyi to ye na ba réponse non soana. Chers congolais mon mboka Congo na ko yebisa bino ke fungola mizu pona mboka na yo. Mboka na yo uta kala ezalaka nko ezalaka ebundisa makana oyo to bengi complicité internationale wapi to komona bango nyonso basangani. Puisque moi dans Mboka Congo a consulté ka histoire terre de temps en temps pour que akoma na koyeba oyo koleka na mboka na ye nazali na Luanda et puis nazali na Est ya RDC place nini ngai na kolobele bandeli pe suka ya émission to kolobela Est ya RDC pe na Luanda na banje oza na l'air ndeko congolais yeba ke Tshisekedi est sous pression des occidentaux. Ponanini, par rapport à la décision ferme aux Azuis, c'est là lui met sous pression. Bon, occidentaux, bah, kotia est sous pression, mais à réussir et loco moko. Et loco nini Tshisekedi a réussi. A réussi, ko beta kagame d'une manière diplomatique. Okotou na nga yo kolonga mwa na moka Congo, mouloto na ndenge nini, na ko répondre on a kati émission, pe okoye ba yango. Kolanda ba manœuvre wana okoyo kaka gauche droite te mena ko ebison de ko congolais Tshisekedi a réussir auto bengi communauté internationale na nzela ya diplomatie baza en difficulté na kati émission nga awa okoyeba pourquoi ba américain ba bengi si auto bengi communauté ba bengi si délégation ya Rwanda ba kekuna okoyeba yango. Okoyeba nini kagama kima imbango kende kosala na grande Bretagne. Okoyeba pona nini réunion nini elekana ki entre Otto Bengi Louise Mishikiwabo oyazali lokola secrétaire général ya organisation Otto Bengi ya francophonie. Okoyeba eloko nini kima kimbango na France akekuta na Macron et puis nini Macron basolola ki bango na Otto Bengi Kagame. Moi na mboka Congo na yebisa kibino mbalele kana kike oyo toko mona ka lelo ezali eloko toko benga ka lokola na Congo toko beta final. Final ya nini oto mettre fin na eloko to bengi infiltration ya ba institution. Puisque c'est ça les problèmes. Ils ne veulent plus la guerre au Congo, ils veulent l'infiltration.
à tout moment, il faut qu'on y ait que communauté internationale, bah s'organiser, bah mafier, but na bango, ezalakande, bah ça la nini, bah infiltrer, bah institution, pour nato compromettre la souveraineté na yamboka na biso. La guerre, c'est les sept qui cherchent. Quand ils font la guerre, c'est pour pénétrer, pour infiltrer autre institution. Parce qu'ils en ont marre. Guerre et Kobimisaka Bango n'emploie ça. Voilà. Mon amour, quand on a coté ce qu'on a kacha likambu, pour que Natal et Sayo, yo la nangaka koko comprendre, banger ya air, et l'eau qu'on y est collé kana minute oyo, makambo eko tambo andeginin. Alors, tozali na deux semaines ya trêve oyo uti koleka. Na kozana lo mbangu mingi pour na kota na kati ya makambu oyo eko leka na minute oyo ba délégation oyo yoke kei na en États-Unis oyo ya Rwanda. Na ba délégation oyo etambola ki tenema awa en Europe. Ba kenda ko sa nini. Je vous dis que Kagame aza auto bengaka en perte de vitesse. Bitumba ya solo eko bunamaka libanda ba manevo yo ka ba inventor ba osala ezali ba manevo moko pour que eme mabango bazala considéré. Pourquoi? Parce que bitumba oyo toko bengaka ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezala ki bitumba ya ko ekate na M23 AFC oyo to bengaka bazala ki bazalo ko oto bengi ba patin. C'est-à-dire, le loco que Kagame utilise, une procuration, tout le monde a une guerre à procuration. C'est dans les sortes là. Oh, dans le outil que je suis en Boka Congo, tout de suite là, avec l'objectif, il y a une infiltration de l'institution. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le loco que les Kézani, ils allaient loin d'Andé, quand ils posent à Makambo. Tu sais qu'il a été ferme. Tous les deux premières semaines après la trêve. Deux semaines, il y a eu de la trêve. Les Américains ont une position. Ils ont proposé Tshisekedi. Ils ont dit que non, ils ont besoin de écarter Rwanda. Ils ont écarté Rwanda et puis ils ont collaboré directement. Wana wapi ona kolobaka na tiré sous basement nango wapi na tiré sous basement nango na la lettre oyebimaki na département d'état américain ba o nyonso ba lukaka ba information ba batanga ki lettre oyo département d'état américain ba bimisa ki lettre oyo ba tiaki na mesa lettre wana lobaki nini e lobaki na Tshisekedi ke yeba ke biso tozali na besoin ya calcarite tozali na besoin ya tungstène tozali na besoin ya tantal. Nous avons besoin d'or, puisqu'il faut fabriquer avion, il faut fabriquer un téléphone, il faut fabriquer un ordinateur, nous avons besoin de contrôle de satellite. Yeba ke biloko wana mwana mboka oyo to ko bengaka ba satellite ba ordinateur biloko wana nyonso ba sala ka yango na nini na ba matériaux lokola or lokola tantal ou na utiko ebiso tungstène étain ce sont des minéraux oyo ba utilisaka na ba dispositif électronique et les américains ba lobi ke nous tenons à cela ko bosana te ko battre pesa na kacha liste. Puisque combat et permettre à mon que ça la batterie auto bengi ba batterie électrique. Alors ils ont négocié avec Tshisekedi ba ici, nous voulons que tu acceptes tel prix, sinon la guerre va continuer. Et nous, si tu acceptes le prix au bango ba lobaki mo na mboka Congo yebaka déjà sali sorte ya ba corps auto bengaka ba accord Lionel, c'est-à-dire ba prix moko boye oyo ba bazo presque gratuitement. Alors tu sais que dans le but, non, je ne suis pas d'accord à cela. Il faut bosser la loco la Chine a ka kozwa d'une manière gagnant. Mais comment est-ce que bino bolingi bosa na makana ba américain a kacha lettre on a bu sur au département d'état américain. Dans la lettre, il est inscrit quoi? Balobi que toko mettre fin à conflit puis ce conflit ou t'as un bah minéré. Toko salanini, toko yebi sa entreprise na puissance américaine et anglo-saxon. Et que il faut maintenant obtenir au tobengi bah minéré au ya RDC d'une manière avec toute traçabilité. C'était ça les documents. So kotina katia auto bengi ambassade comme en anglais ambassade des États-Unis pour la RDC, tu verras les documents.
Alors, Toulouéwana, la résistance, ouais, tu sais qu'il dit, n'est pas qu'à la trêve, on va continuer à pousser. Et les États-Unis d'Amérique n'avaient plus encore, quand la Cambodge et Tolobi, où il y a Rwandais, ils voulaient que tu sais qu'il y ait un dimanche, n'est pas qu'à la trêve, on va servir pendant les 32 ans. Vous savez, pendant les 32 ans, il y a règne à Mobutu, il a dit qu'on servir les Américains comme il le voulait. C'est comme M. Kagame. Azali ko servi ba merke vo yo kaki na récente déclaration à Kagame. Ndenga lo baki ke nous à la RD nous recevons que 1%. Nous na 9% ke nakaye pa ba américain. C'est pourquoi ils veulent aussi de la même manière ba imposer na Tshisekedi. Andima toujours ba merke ba ngoba zwa de ba 80 quelque 10% o ba ngoba zwa ka et puis tout tikala na miette ndenge ka Kagame salaka. Mais tu sais que j'ai dit, mais comme ça, avec ça, comment la RDC va de se développer? Alors, tu sais que dit Armaka qui m'a fait. Et c'est tout ce qui s'était en train de passer, c'est avec la complicité de la France. Banamboka, avec la complicité de la France pour l'anim. Parce que la France, Azalina, on va penser qui est ordre à Kosa, ni qu'on rédigeait autorobinini, document, on va permettre que ça midi si abunda. Puisque na côté maintenant moi mon kiwa na samedi a dit c'est madame boka kongo na ebisio samedi a si soka sui mandat puisque jusque là auto ko benga communauté internationale ba linga kongo te bango ba bloka ki samedi a si pour que samedi a si akoka ko bana combattre samedi a si auto ko lobaka aujourd'hui samedi a si a 8000 hommes et parmi les 8000 hommes tous en a plus de 3000 ba congolais na biso. Sans compter les matériaux, oh yo sami di ya sa nango, wapi na kotangela yo, ba BM o euti Tanzanie. Et puis, Afrique du Sud a possédé autobengi ba drone kamikaze. Wana to lobi ono so sami di ya sa nango, o a capable que soka kiti na terrain a ko écraser autobengi a autobengi RDF ou bien le Rwandais ou bien ba M23 AFC sanisa bango nyonso mona mboka. Mais la France bloque. Pourquoi la France bloque? C'est pour permettre maintenant que la RDC soit en dima contrat Lionel Nabango ou soit RDC a continué toujours na même makambo toke otorobaka ya guerre ou soit RDC en dima infiltration. C'est-à-dire que solona ba M23 pour que ezala eloko to benginini mixage et brassage. Bango bakota na kati ya nini na kati ya ba institution congolaise. Voilà là où se trouve maintenant le problème. Oyo moni Tshisekedi a continué de résister. Lorsqu'il a entendu que si au moins au boyi ko solona otobengi ba M23 mais du moins singeli o solona na otobengi AFC ya nanga. Tshisekedi a dit non. Afsia Nanga wana c'est toujours le M23 puisque Kobo sanate mwana mboka Congo to lobaka ernyo so puisque ba Congolais ba yeba Kagame achaka kaka liboso ba mboka liboso yaza na sima tout comme ba américain ba chaka kaka Kagame liboso bango baza na sima Kagame atalaki ke M23 so elumbi so yango achaki Afsia. Or, revendication à AFC, c'est les revendications. Il y a M23, c'est les revendications. Il y a Otobenini, il y a Kagame. Et puis, il y a Kagame, il y a une revendication. Il y a les Occidentaux. Il y a un seul objectif, Ezalinini, infiltrer les institutions pour que ne pas permettre pillage. Puisque Kagame, il y a dit qu'avec tout ce que la RDC a, RDC est comme puissant. Si on les laisse, voire même les Américains. Wana wapi sikoyo tozalaki na kati wapi tozali na kati ya Luanda lorsque Tshisekedi a moni imposition oyo ba français na ba américain ba ngaki ba koti sa auto bengi AFC c'est-à-dire ba leader politique ya PPRD oyo ba se transformer na AFC pour que ba ko ba zonga na ba institution ba infiltrer sous ba institution ba affaiblir ba institution. Pour moi, dans Boka, vous avez vu que pendant le règne à Kabila, c'était l'infiltration qui régnait. Il y a un État congolais toujours faible.
avec tout ce qui regorge à RDC, RDC qu'on s'en sortir parce que c'était une gouvernance oyo ezaki rempli na banani na ba auto bengi ba infiltré o ba dai ko faibli mboka Congo. C'est pour cela malgré que ba zone sa bango le sous na terrain par rapport ya Congo auto beng AFC. Neti ce que dina kutala bon ba binon. Nous ne pouvons pas marcher comme ça. Nde ngwa no mona ki ba sali nini oyo tolobi procès. Ba juger mbala moko ba comme étant ba oyo bazali en complicité en faisant les actes terroristes et puis Basalini et Basali ba traître. Ils ont été condamnés et puis leurs biens ont été saisis et Basa poursuivi. Wana décision oyo gouvernement congolais soit qui mbala moko écarté oto bengi hypothèse ya ba rwandais hypothèse il y a communauté internationale où il y a besoin à Luka Asanini à infiltrer les sources au lobby où l'armée congolaise et les institutions de la RDC bloque. C'est là où Tshisekedi a bloqué. C'est là où le gouvernement congolais a bloqué au Tshisekedi Sabino Nini complot international wana qui voulait en sorte que Bisoto Solola naba rebelle. Alors, la RDC a écarté cette hypothèse. Maintenant, la RDC a obligé les Rwanda maintenant à négocier par rapport à l'inquiétude de le Rwanda. Alors, c'est pour cela que les Rwanda a joué qui n'a mis ça à Tchakinini, à Tchina Mesa et le Kotobenini, FDLR. Puisque tout n'a qui Rwanda, il y a qui est dans le Congo, comme ça, on a dit que tout n'a qui c'est l'Union africaine. Nanani, n'a joué le réseau. Natalement, moi, je suis dans l'Union africaine. Sachez bien que l'Union africaine va comprendre que c'est Kagame qui neutralise, c'est Kagame qui affaiblit l'Afrique entière. Puisque lorsque vous affaiblissez la RDC, les alliés locaux ont affaibli l'Afrique Mubimba. C'est pour cela que Kagame, ça qui est autre, il y a une délégation. Il y a une délégation à l'Union africaine. Bakenda qui a un moment où tout coloba, Bakenda qui kota la Kagame pour nous prouver que non, cherchons la solution puisque aussi longtemps la RDC est affaiblie, c'est toute l'Afrique qui est affaiblie. Balongwe wana, allez, baye ko kendena ni susu, baye ko tindele communauté otobengi CEEAC, communauté économique des États d'Afrique centrale. Bakenda qui komonaï, komenza Bakenda qui komonaï. Voilà un peu ma délégation d'Afrique et Bélé Sangana qui va gagner comme on a Kagame pour nous croire que aussi longtemps la RDC est déstabilisée. Maintenant, il y a une préoccupation dans les animes par rapport à ce qui se passe à l'Est. Oh non, nous craignons FDLR. Pour FDLR, ce qui est, nous serons en difficulté. Ça, c'est un animé, argument poussé par Kagame. Alors, que les accords ou bien que Salamana Luanda, c'est l'Union africaine ou le Batinda Kibam. Arrivé maintenant à Luanda, Kagame Yakina, on débat avec RDC. Le quoi la voisine a eu à Kolo FDLR, yo sala plan, sala document, ou yo laxa, tout le monde a eu de RDC, ça a plan de neutralisation à FDLR. Aïe, on a eu un Babengi Kagame, c'est-à-dire Batonaye, Rwanda. Baye Batali plan wana. Lorsque Batali plan a déstabilisation, ils ont compris qu'ils avaient quelques arguments avancés. Basali observation, basali analyse na bango, et puis basui rapport wana, même les facilitateurs, Joao Lorenzo. Tant que Joao Lorenzo, azui yango, yepe asali analyse naye. Moi, nambo kalanda bien. Puisque nous avons qu'un des États-Unis, la Grande-Bretagne, place où Kagame Kagame tient délégation, où est Bani Nzole Kakuna. Tant que vous Lorenzo Atali, a salipé au Tobenini, a salipé ma proposition à Yé, a arrangé en nuance. Jusque où nous avons accepté, nous avons sali au Nibabimisi, c'est le fait. Pourquoi démarche wana pour ba namboka ba mitungisa ko no tobeta te démarche wana puisque il faut ba ndekope ba africain ba yeba ce qui se passe Kagame kosi mukili mobimba alors que ya ya kande ko piller a kosi mukili mobimba ke FDLR maintenant il fallait ko vider hypothèse wana nyonso c'est pour cela ba kenda ki na union africain
Voilà maintenant tous dans l'Union africaine, a pensé qui manda na Otobengi na Joao Lorenzo na Luanda pour nous va vider dossier wana. Dossier wana est qui déjà vidé puisque ba plein. Il est maintenant prévu ba ya ba kutana pour que ba banda Otobengi ba action pour se faire quoi neutraliser Otobengi ba FDLR. Mais quand RDCP a chakipe oyaye le kamuna mesa. RDC a l'obaki nini. RDC a l'obaki ke. Nous, nous avons fait notre plan. Otobengi a désengagement. Il y a Otobengi, FDLR. Alors, Rwanda pe, après ça, il y a un plan. Il y a Kosa nini. Il y a Ndengini qui a retiré la force Otobengi, la force rwandaise sur le sol congolais. Nde Rwanda pe, il y a Kinango. Rendez-vous maintenant, Ezali, Otobengi na Mokolo, il y a les 7. Bana mboka Congo pour que ba kende ko sala makamana surtout voyant qu'il est coincé moi na mboka landa suko na koti na katia mama le kambo voilà voyant qu'il est maintenant coincé pour parce que hypothèse ni le coûter FDL ba kangie yango ya kokanga o ba lo ba kala lingala ba kanga muyibi awate ba kanga muyibi na loboko tellement ba kangie azangie lokwa ko sala suko ndi alinga sani alinga baby ça. Boyoka ki mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba kinini alobi pona biso makamwa na Nairobi etani biso te misu na biso zota mambo a Luanda tango amona za kwese nde asali nini atindi délégation nanu bazaki liboso nae na France na roba na France na côté Grande Bretagne après na ki États-Unis sikoyo o na minute on États-Unis mais na bandi nanu na France Kagame a yebike na minute oyo moyen akoka ko kende Belgique izate puisque la Belgique ndena ko lobela mupanza RDC mais akimi na France pourquoi akimi na France puisque azana deal na mutu individu Macron na j'insiste avec l'individu Macron puisque les autres auto ko bengaka ba o nyonso Bazali na katia makambo o Italie, France et bela ba français anon assez na makambo Italie Kagame. C'est seulement l'individu otokobenga na kuma Macron yemto ko sala. Nde moni Kagame bengi Louise Mishikiwabo o ya francophonie ayemba ngukukutana na otobengi Emmanuel Macron. Pour na kaka affaire ya makambo ele kana Luanda puisqu'il est coincé diplomatiquement en Afrique. Et puis à l'étranger, il y a d'autres pays qui ne veulent plus encore de la guerre à RDC. Alors, à Kekoluka Mako pour qu'il va créer ensemble une stratégie pour qu'il va contourner Makambo et le Kana Luanda. À la zone, il a toujours le même système. Nous sommes tous les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas américains. Ils ne sont pas américains. Ils ne sont pas américains, particulièrement anglo-saxons. Mais pas tous les Américains, peut-être pas tous les Anglo-Saxons. On peut comprendre dans le temps qu'on a comme Awana. Alors, tant que maintenant, comme en France, on a dit qu'on soit dans Macron, puisque il y a dans Macron, il y a dans Macron. De Louise Michiko, il y a renforcé. Il y a une réunion pour la Koloukanini, pour déjouer Katia Makambo et le Kana Luanda. Macron a dit, moi je suis coincé par la Belgique. Comment est-ce que la Belgique a coincé maintenant Otobengi France, particulièrement Macron, puisque la Belgique s'impose. Je vais te le dire ça dans la 4e émission. Alors, dans le niveau déjà France, Macron est ici Kagame. Moi, je suis coincé par quoi? Par la Belgique. Puisque Belgique, on a Kolobapé, moi, dans Mboka Congo, Belgique a influencé moi, Moko Batou. Dans le temps de Mboka Oyo, ils ont influencé la Belgique. Nde Macron est ici Bango. Na Louise Mishikiwabo, kobo santé Louise Mishikiwabo a tia base na yewa pina Canada, place ba tia siège ya francophonie, pour que a joué rôle na Canada, puisque objectif auto yebisao ya ba auto bengi ya Kagame, c'est prendre en otage auto bengi Grande-Bretagne, ou bien les Anglo-Saxons, ou en attendant particulièrement Louise Mishikiwabo, par exemple, kuna mupanzi ya Canada. Batikisko Kagame na mpanzi ya Angleterre. La réunion ele kaki na France. Réunion ele kaki na France et réussir te. Ya mwana makolobi kende na ne pa ba anglo-saxon. C'est-à-dire banda na Grande-Bretagne.
nde omoni bakumbana ki na Grande-Bretagne ba bandi ko luka ko convaincre ba oyo ba yesika mo na mboka landa bien ba oyo ba yeba sikizana ce sont des travaillistes kop kagama za ko sala azai ko sala ngo na ba o ba za kili boso o to begi na kobu ya banani ya ba conservateur bango nde ba installa ki makamu na bango bango nde ba za ko sala o nyonso to ko luba kawa alors kagama kumba miguna ba koti reunion na ba o ba yesika atali si bango kop na biso ezalaka awa biso to kota kana RDC to yibaka tala bo tala bo tala bo boyize na force parce que nous sommes coincés par la Belgique pour que to contourner makabu ya Luanda c'est ça oyo diplomatie ka gamakende ko sa na Grande-Bretagne pour que Grande-Bretagne puisque la Grande-Bretagne aussi a une influence envers la Belgique ko bosa na te Belgique asi a beti le boko na mesa na kozonga na Belgique nazana na Grande-Bretagne na kende États-Unis tango akomi na Grande-Bretagne a expliquer pe bango to benga ba grand na ba anglais puisque tina de luz mishiko wabu na Canada mais ko bosa na te mwana mboka Congo et que Kagame est à sa fin na ko bango pa mate Canada déjà n'est plus encore d'accord na politique auto benga ya ba yaba Rwanda puisque ba Rwanda ba taki ko espionner même les Canadiens il est en difficulté au moni na wuti na France ba tindie na Grande-Bretagne na komi na Grande-Bretagne Grande-Bretagne e bisete kene na no États-Unis mwana mboka Congo Kagame est à sa fin, je vous l'ai dit. Et il a expliqué Bino pourquoi ma vidéo ya Ishasha. Oh yo ba M23 ba sali c'est naba AFC. Je vais vous expliquer le pourquoi. Mais nazana on a niveau maintenant aux États-Unis puisque on a Grande-Bretagne. La même réponse au Kagame a joué en France, il a moins joué en Grande-Bretagne. Alors moins en Grande-Bretagne c'est quoi que États-Unis awa yé atindi délégation ya batuna en États-Unis. Pour chercher que les Américains va utiliser moyen à nyonso pour que va contourner makambo Luanda puisque makambo Luanda est à place oyo Kagame zozo azui kao et puis oyo ko sisa makambo ya Kagame na SRDC bana mboka yeba ke na uta ki ko yebisa bino bo tenir ngo na mutuke la RDC en tant que Sami DRC on a bengi force ya SADC ils ont mandat dans le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité est obligé de donner le mandat à Sami DRC parce que Sami DRC a déjà reçu le mandat de l'Union africaine. Ce sont que ma manœuvre bako sala moi dans mboka Congo yeba de source que la politique est une rapport de force. Rapport de force ya RDC na cohabite coalition oyo le président de la République a sali. Tozali na bamboka lokola tozwa soutien. Tozali na Burundi, tozali na Tanzanie, tozali na Tchad, tozali na Mauritanie, tozali na Algérie. Bamboko na tangele wana tozali pe na Afrique du Sud. Tous ces pays là, basali bloc commun pour imposer la paix. Et Kagame azana soutien quelques mafieux. Wana makamwe ko le kakao na ko expliquer yo mwana mboka Congo. Que Kagame est en difficulté diplomatiquement, c'est-à-dire nous avons gagné la guerre au niveau de la diplomatie. Azo Luka meka ko sauver, mais je vous dis que c'est la fin de la guerre, puisque Kagame cherche comment Aluka se sauver diplomatiquement, mais Azo Kokate. Nde omoni abandaki na France, Grande-Bretagne, na momo ya tini délégation des États-Unis pour baluka ba convaincre mais ko bossa na te ba mboko na onso na uti ko tangelo ba délégation na ngo ba uteki ko ya na RDC la Grande-Bretagne kutu atindi ba délégation mibale ba na mboka Congo pour que baluka nde nini ba convaincre Tshisekedi ko bossa na te que lorsque ba zotinda ba envoyé spécial na si mezali ba multinational oh, bah, on a besoin d'intérêt. On a besoin qu'au temps qu'on est bandeli. Ce sont les minéraux. Oh, les alliés, les lots indispensables. Bah, on va au loba. Aujourd'hui, les minéraux congolais sont indispensables pour Oyotobengi transition énergétique. Avec ce qui se passe dans le monde, bah, tout le monde va au Kufaka, na Oyotobengi, bah, ravage que ça la marque à cause y a réchauffement climatique. Il faut simplement des minéraux congolais pour que tout ait une transition autre, une transition énergétique, parce que bas on va minéraux autre dans le monde, bas changer système ya
approvisionnement, il y a minerai, il y a énergie. Alors, na kati si siko RDC, moutoua ko sa la rapport de force na minute, c'est la Belgique. Je vous dis, banamboka Congo, au Kolobananga, au Banoko, au Belge, au Bomaka Bisso, oui, au Bomaka Bisso. Au Kolobo, au Belge, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, c'est vrai. Au Kataka Maboko, oui. Au Belge, au contre Bisso, oui. Ou en appena Yebiango, puisque le monsieur Toloba Joseph Kabila, c'est lui qui a été représenté par Louis Michel. Et c'est Louis Michel, oh, il y a un qui est international, Mobimba, pour que Asanini. Ame Makabila, Awaya, c'est lui Michel, mon conseiller mixage et poissage. Na 1 plus 4, Esaïe, c'est la Belgique. Mais Belgique, quoi, les lots, non, je vous dis, Belgique, les lots. Oh, yo, komi, côté la Belgique, non, na côté de Belgique, mais je vous dis que Belgique, les lots, Esaïe, Belgique, Moussousou. Je vais vous le prouver. Premièrement, la Belgique, pendant la chose qui a changé, a bengani auto bengi ambassadeur ya Rwanda. Alobi pas question carré gâté tina mutu mususu. Kagame lokola mesana ko imposer alobi teka yewana. Et puis dernièrement balobi plus question. À un moment où nous vous disons il n'y a plus d'ambassadeur ya Rwanda. Na ya Rwanda na Belgique tout comme ambassadeur à Belgique na Rwanda zate. Et lorsque nous avons suivi les déclarations de Rwanda envers la Belgique, nous n'allons pas coopérer avec la Belgique puisque la Belgique a besoin de combattre M23. Vous voyez maintenant, combattre M23, ils allaient combattre le Rwanda. Dans le monde, il y a un représentant au Tolobi, il y a un expert, un Tindien pour le Grand Lac. Ils allaient bloqué par les Anglo-Saxons à travers Macron. Puisqu'il y a une réunion autobengi, nous pouvons dire que Belgique a changé, il y a une dynamisme, vous pensez qu'il y a Belgique. Puisque la réunion qui s'est tenue à la place de l'Ebisubino en Europe, c'était à Luxembourg. Grâce à l'imposition à Kagame, l'envoyé spécial qui devait descendre dans le Grand Lac a quitté. Mais la Belgique s'est imposée dans la minute où elle est. Et les Rwandais sont dessus. Et ailleurs, pendant que nous avons prévenu, surtout pour pousser maintenant les Européens à agir. Et c'est grâce à la Belgique que ma paix est dans 20 millions. Nous avons dit que Rwanda, avons 20 millions de dollars. C'est grâce toujours à la Belgique que les lois en Belgique ont réussi. Kobenda, Luxembourg, Kobenda, Otobengi, Suède, Allemagne, Pays-Bas. Et c'est là où je vous dis. Et na ko souki sana pona ko yebi sabino bana mboka ke baoba ba loba ke président de la République est malade boye baka tiseke da lobaka bo le père. Les discours politiques ce ne sont pas des réalités politiques. Félix Antoine Tshisekedi dit est tenté d'aller pousser encore plus fort en Belgique pour que Belgique abette loboko na mesa puisque c'est le pays colonisateur. Il a un mot à dire pour mettre en déroute tout ce qui se prépare à travers ba Otobengi, ba Anglo-Saxon. Boya lisusu lobi bokoyo ka ba révélation pe ba analyse ya mboka na bino Congo. Wana ndengo na bino muloto. Soko lingo zwanga zwa numéro na nga ya téléphone +243 89 40 330 80 +243 89 40 330 80. Merci beaucoup.